Yo tout le monde, c'est Wesh92, j'espère que vous allez bien. Play, yo, c'est quoi quoi. Yo tout le monde, c'est Misa. C'est pas pour eux. Et il y a nous, Raymond. Ah, c'est tout. C'est pas vrai. Oui, c'est quoi tout ça? Bah, c'est ce qu'on leur réserve. À qui? Bah, aux abonnés. Yo tout le monde, c'est Wesh, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Ou presque. Je suis un petit peu malade, faut que je l'avoue. Faut que j'arrête de dire que ça va super bien. Non, je suis un petit peu malade, mais ça va. Ça peut être pire, ça aurait pu être pire. Franchement, ça aurait pu être pire. J'aurais pu crever. Donc ça va, on tient le coup. Non, je rigole. Donc là, je suis tranquille. J'ai avec mon petit... Hop. Oh là là, il boit pendant la vidéo. Ouais, bon, voilà, j'ai pris un petit, tu vois, un petit cappuccino. Chucuccino, ça s'appelle. Ouais, c'est bon, hein. Attendez. Bah ouais, c'est très bon. C'est très bon. Bon, c'est pas ça qui est important. C'est pourquoi on est là. Donc, je vous avais dit, Custom 3.0, je crois, de me proposer des persos délaissés à customiser. Afin de faire un 4.0 vraiment destiné aux persos délaissés que j'utiliserai ensuite. Donc, ce sera vraiment... voilà, ce sera... vos persos DLC quoi, et voilà, moi je les custom quoi. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais prendre dans l'ordre le premier qui a posté un commentaire, et puis voilà, je prendrai les persos chaque fois proposés. Et bon, par contre, le premier qui me propose là, mais il m'a carrément fait une description du personnage, il suffisait juste de mettre le perso. Mais bon, c'est pas grave. Donc le premier, RC Gaming. Donc vous aurez bien sûr une petite dédicace à chaque fois. RC Gaming, donc qu'est-ce que tu me proposes comme perso? Kakuzu. Après, je vais pas lire pourquoi, mais Kakuzu, peut-être qu'il est délaissé, mais je vais le custom parce que de toute façon, il n'est pas custom. Il n'est pas custom du tout. Donc là, on est parti pour une vingtaine de minutes. Hein. Donc ça va faire que du custom 100%. Allez, Kakuzu, let's go. Qu'est-ce que je vais lui mettre, lui, ce Kakuzu? Ah, en plus, attendez, je vais quand même juste vérifier un truc. C'est que normalement. Ah oui, ok, il y a l'ancien et le nouveau. Ah ben, allez, je vais custom l'ancien parce que je trouve que l'ancien, il est quand même un peu plus dégueulasse. Ouais, dans la dégueulasserie, c'est mieux. C'est mieux, pour Kakuzu, c'est mieux. Bon, je sais pas encore si je vais lui mettre un masque, mais un masque, ça pourrait bien lui aller. Pour commencer, en tout cas, un masque, ça pourrait bien lui aller. Par contre, lequel? Bon, alors, ouh, là, ça va être temps. Ah, monsieur, à la valise. Ah ouais, mais là, il lui faudrait le truc de la Katsuki. Ah ouais, mais là, c'est complètement dégueulasse, mesdames, messieurs. Mesdames et messieurs, mesdames, messieurs les dactyphones. Bon, une épée. L'épée, elle passe juste entre. Attendez, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Parce que parfois, vous débloquez par exemple vraiment quelque chose qui lui est spécifique. Bon, par contre, le Kakuzu, je pense qu'on va custom l'autre. Parce que le Kakuzu mode torse nu. Mais pourquoi je l'ai pas en Akatsuki? C'est bizarre. Bon, on va prendre celui-là parce que là, il a, vous voyez, il a rien dans le dos. Enfin, il n'a pas tous les masques là. Ah si, ah y a un bug là quand même hein. C'est que c'est censé être un Marcel. Mais ça s'arrête dans le dos. Bon, ok. Quel masque on va lui mettre? Il est déjà masqué hein. Non, masque y a pas besoin, bon, on va lui mettre cette petite valise. La valise de Kakuzu, tiens. Deuxièmement, on va lui mettre quoi? Ici on va lui mettre qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un petit éventail de filles. Ça lui va bien je trouve. Un parchemin explosif. Attendez, faut pas que je foute la merde hein, parce que sinon ça va mal commencer ici. Non, lui on va lui mettre un petit parchemin sur l'épaule. Ça lui va bien je trouve, moi ça lui va bien. Hop, et troisièmement, non, rien sur l'épaule, on va mettre ici une petite gourde au cas où il a soif. Une petite gourde au cas où il a soif. Une radio, non. J'ai envie de lui mettre des explosifs partout. Bah attends, il a contribué à la mort d'Azuma, c'est pas cool ça. Bah, je sais même pas s'il l'avait aidé, mais en tout cas... pour pas dire qu'Idan l'a tué tout seul, tu vois. Mais quand même, je sais plus. On va lui mettre une... Non, une gourde, je trouve que ça passe. Après, c'est Kakuzu. Donc Kakuzu... non, un petit parchemin explosif, c'est très bien. C'est très très bien. Bon allez, une permutation pour Kakuzu, faudrait lui mettre quoi? Les permutations dans le jeu, elles coûtent cher. Hein. Honnêtement, là, franchement, je suis fier de ce que j'ai. Mais elles coûtent vraiment cher. Épée ninja. Bah, franchement, il n'y a rien de terrible. Hein. On va lui mettre ça. Hein.
rouleau du ciel. On va lui mettre le rouleau du ciel. Voilà. Oh, par contre, elle est spéciale. Voyons voir. Déjà, en image, je préfère celle-ci. Je vais regarder. Celle-là, de toute façon, on l'a tout le temps aperçu. Ah ouais, mais ça, c'est quand il... C'est un fou, hein, lui. Lui, c'est un fou, hein, dans sa tête. Ouais, je préfère celle-là. Je sais pas, j'aime bien ce visage très menaçant, tu vois. Ouais, bon, toi, tais-toi. Voilà, moi, je vais mettre celle-là. J'aime beaucoup. Confirmé, retour. Et... Attendez, je vais juste checker un petit peu. Ça va, hein. Les bras qui bougent. Avec le parchemin qui bouge. Ah, peut-être que je vais mettre... Attendez, je vais une toute petite modification. Ça va aller très vite. C'est que là, j'enlève et je vais le mettre en fait sur l'épaule droite, le parchemin, tu vois. Un parchemin à gauche, un parchemin à droite. Un parchemin à gauche, un parchemin à droite. Bon, voilà. RC Gaming, j'espère que, tu kiffes mon custom. En tout cas, j'ai fait mon possible. Allez, deuxième. Qui est-ce qu'on va prendre? Donc SLC n'a pas proposé de perso. Suivant. Alors Steven The Otsutuki. Wow, sacré pseudo. Donc Steven, qu'est-ce que tu nous dis? Moi perso, mon custom préféré, c'est celui de Shoji, oui. Et tu me proposes Azuma, c'est ça? Ouais. Azuma. Ah bah tiens, on parlait d'Azuma justement, c'est parfait. Azuma, où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors je veux le custom. Non, je veux le custom en vivant. En vivant, je préfère. En vivant, je préfère. Allez, let's go. Alors, Azuma, lui, un masque, ça pourrait vraiment bien lui aller. Ça, on va pas se le cacher. Je vais juste vérifier qu'est-ce qu'il y a de bien à mettre sur lui. Il a rien de perso. Après, un sac à dos, moi, je trouve que ça peut lui aller vachement bien. Une épée, non, pas forcément. Mais un sac à dos, oui. Ça, non, c'est un peu abusé. Oh, le katana, ça... Oh, le katana, ça donne vraiment bien. Ça, c'était pour le pauvre Iruka. Vous en faites pas, il y en a un autre qui va passer. Il y en a un autre qui va prendre de la boîte. Attendez. Je vais prendre. Sur les hanches, il y a quoi? Sur les hanches, ouais, forcément, c'est un peu tout le temps la même chose. Mais c'est surtout sur le dos que c'est intéressant. Moi, je crois que je vais lui mettre ce sac à dos. Ou celui-là... Non, celui-là, je trouve qu'il passe vachement bien. En plus, Azuma, tu vois, il est un peu en mode on va en mission. Il est un peu en mode on va en mission. Alors, le masque, je vais lui mettre. Je trouve que celui-là lui va bien. Alors, en fait, c'est les yeux en ligne. Vous voyez, c'est ceux-là que je veux. Ceux-là, bof bof. Quoique, celui-là est pas mal du tout. Ça, celui-là, j'aime pas trop. Oh, pas mal, le petit chaton. Pas mal du tout. Non, je vais mettre celui-là, j'aime bien. Voilà. Et alors, en troisième position, on va pas lui mettre de masque sur les épaules. Ça, franchement, je trouve ça pas très cool de mettre des masques. Par contre, ah bah, une poupée de Chica, petit rappel. Hop, permutation. Là, on va mettre. On va mettre quoi? On va mettre un truc vraiment lié à Konoha. Tonton, non, c'est dégueulasse. Les livres de Kakashi. Enfin, non, c'est pas ceux de Kakashi, mais bon. Ah, j'aurais dû mettre ça pour Kakuzu, tiens. Bon, tant pis, je vais mettre... On va mettre quoi? Les clochettes, la plante... les chips! Tu rappelles la Shoji, bim! On fait le rappel de tout le monde. Alors là, on va bien regarder. Ouais, je te frapperai avec ma lame devant. La victoire m'appartient. T'es mort juste après. Juste comme ça. Ça, je préfère. Cette image, je préfère. Bah, attendez, elle est swag. Bon, ça, je le trouve pas mal, hein, l'Azuma. Hein. Ouais, j'avoue, il est bizarre. Mais je le trouve pas mal. Donc, Steven, The Otsutuki. Voilà, j'ai custom Azuma. J'espère qu'il est bien. J'espère qu'il est quand même bien. Alors, ensuite. Voyons voir. Crimson Mizukage. Je te renvoie à coup. À coup bon. Il m'a pas forcément proposé de perso. Bon, là, j'irai pas sur Twitter pour vérifier. Parce que c'est moi. Parce qu'en fait, il m'a envoyé ses persos à lui. Mais je vais pas le copier. Je vais plutôt faire à ma façon. Mais je vais prendre Aku. Vu que ça a été un des persos que tu as proposé, Aku. Où est-ce qu'il est, le Aku? L'homme alias la femme alias ce que vous voulez. Moi, je sais pas trop. Je vais prendre. Là, il a déjà un masque, tu vois.
Mais on va pas prendre, on va prendre ça en masque. Hein, en masque, on va dire qu'il est déjà custom. On va dire qu'il est déjà custom. On va pas lui changer de masque forcément. J'ai envie de lui mettre un katana parce que franchement, alors le grand ou le petit, lui ça lui. Attendez, ça encore. Non, ça passe mieux. Je sais pas, à coup il est dans le move, tu vois. Il est dans le move du. Je sais pas comment expliquer. Il est dans le move du je sais pas. Voilà, c'est ça. Il est dans le move du je sais pas. Un masque, bon, généralement il porte un masque donc on s'en fout un petit peu. Dans le dos, on va lui mettre un truc. Comment dire. Un truc. Oh, ça serait bien. Ça aurait été bien si ça passait pas à travers ce truc, hein, franchement. Ça, c'est un petit peu fail de la part de. Je sais pas, ils auraient pu arranger une radio, non. Non. Oh, j'aime bien cette gourde. Personnellement, j'aime bien cette gourde. Ouais, cette gourde-là, j'aime bien. Bon, alors, est-ce qu'on lui met quelque chose sur l'épaule s'il y a un truc de Zabuza ou quoi? Je pense pas, hein, il y a que des trucs de Konoha là. Un masque. Ah, ouais, peut-être. Ah, c'est pas mal ça. Genre, il a enlevé son masque, mais il l'a mis sur le côté. Bon, par contre, je sais pas si c'était quel masque, moi. On va lui mettre quel. On va mettre un masque qui ressemble à celui qu'il avait. Il me semble que c'est un de ceux-là. Ou pas. Je vais mettre celui-là. Celui-là, voilà. Celui-là. Voilà. Ça fait genre, en fait, il a enlevé son masque et il l'a mis sur le côté. Hop, hop. Non, ça, on va lui laisser sa permutation. Alors là, je pense qu'il y en a des belles. Mais franchement, pour ceux qui disent que c'est un mec, là, faut me poser des questions. Faut vous poser des questions aussi. Et les gens qui disent que c'est une meuf, faut écouter sa voix et vous poser des questions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, voyons voir celui-là. On va voir. Ouais, j'aime bien. Cette image me fait rire, je sais pas pourquoi. Non, celle-là, j'aime pas trop, tu vois. Le passage suicidaire face à Zabuza, tu vois. J'aime pas trop. Par contre, ça, on va mettre celui-là. Ça va, le haku, il est propre. Le haku qu'on a fait, il est vraiment propre. J'aime bien le truc sur le dos, enfin le chapeau là. Ça lui va vraiment super bien. Donc c'est bon, hop, on quitte. Sauvegarder, donc Crimson Mizukage, j'ai fait ton haku. Suivant, Enrique Abur 2. Abur 2. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes? Je te propose comme perso DLC, Gara Petit. Il est DLC lui? Il est dangereux surtout, hein. Gara petit, où est-ce qu'il est? Gara petit, il est petit, il est là, vous en faites pas, il est là. Le dangereux Gara, du sable brun, le sable brun. Bon, lui, il a pas besoin de katana. Lui n'a pas besoin de katana, il a besoin de ça, un moulinet. Ouais. Réfléchis un peu. Il jette le vent. Et avec le moulinet, il envoie le vent là où il veut. Hop. Ah bah ouais. Attends. Wow. Non mais... Faut pas abuser les gars. Je veux bien, hein, lui mettre la queue de son démon. Non sérieusement, je veux bien. Mais là il y a un bug. Là il y a un bug. Pardon, je suis un peu malade. Mais là il y a un sacré bug. Ah tu te démerdes, hein. Hey Gara, tu te dé... Oh le masque dégueulasse. On dirait un petit rouquin qui va à un anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ce masque? Qu'est-ce que c'est que ce masque? Je préfère le masque qui lui rentre un peu dans le visage, tu vois. Non mais Gara, on a besoin de voir son visage. Parce qu'à la base, il est dangereux. Ah bah voilà. Non mais qu'est-ce que c'est? Non bah il se démerde. Ça c'est pas mon problème Gara, tu te démerdes avec les customs que je t'ai mis. Bon, là on a le choix. On va regarder celui-là vite fait. Ouais, bon sang, on s'en fout, tant que j'ai du sable, nanana. Ça, déjà, c'est un peu mieux. J'hésite. Le swag of Gara, ou le swag mais un peu méchant de Gara. Ça, il me semble, c'était contre... Comment il s'appelle déjà? Naruto? Ou Sasuke, peut-être, je sais plus. Non, Naruto. On va mettre celui-là parce que je préfère. Bon, hey, franchement, Gara, de toute façon, elle n'existe pas sans gourde. Donc, enfin, sa grosse gourde de sable, hein. Donc, ça va être un petit peu difficile de voir la queue. Mais bon, on s'en fout. Peut-être qu'en combat, on le verra un peu mieux. Le petit moulinet, hey, il passe bien, hein. Il passe bien. Allez, custom suivant. Donc, je te remercie, Enrique. J'espère que t'as kiffé. Je crois que c'est mon préféré pour l'instant. Mais bon, suivant, Warrior Satan.
carrément. Satan, il a une image de tête de mort, lui. Alors, je propose comme perso de laisser Toby Masque Orange. Ah, je vais peut-être m'amuser. Toby Masque Orange, où est-ce qu'il est? Il est numéro 3, voilà. Toby Masque Orange. Ça, j'aime bien ce perso. Hein. À utiliser, j'aime bien. Ah, on peut rien mettre sur les épaules. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas... Oh, j'ai été un peu vite, là. Non, 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 non. Je pense pas qu'on met un masque sur un masque. Oh, mon Dieu. C'est ça qu'ils auraient dû interdire, hein. Ah, franchement, vous faites n'importe quoi. Bon, lui, qu'est-ce qu'on va lui mettre sur le dos? J'ai bien envie de lui mettre ça parce que ça lui va bien. Attendez, je vais regarder un petit peu ce qu'il a. Non, il a rien. Donc lui, déjà, on va lui mettre ceci. Il se démerde, ça c'est pas mon problème. Deuxièmement, on va lui mettre ceci. Hop. Troisièmement, je ne peux lui mettre qu'un masque. Donc on va lui mettre un masque. je rigole, c'est bon, je rigole. Faut pas vous énerver, hein. Eh, attendez. Ah ouais, effectivement, j'ai fait le boulet. Donc, on va enlever ça. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui mette? Sérieusement, vous voulez que je lui mette quoi? Eh, il est nul à customiser. Ah, quoique. Non, un joli sabre comme ça, ça peut passer. Et on lui met ce petit sabre et avec l'emblème des Uchiwa. Par contre, après, je sais rien faire d'autre, hein. Je veux bien custom Toby, mais il est bizarre, en fait. Celle-là me fait rire, attendez, on va regarder. D'accord. Suivant. Ouais. Bon, je vais mettre celle-là, parce que celle-là, je la trouve cool. Donc voilà, ça va. Bon, j'ai pas vraiment custom à fond. Bon, en même temps, on peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, sur les épaules, on peut pas trop. Et une fois qu'on met quelque chose sur le dos, ça cache l'autre truc. Bon, il est un peu bizarre ce Toby, enfin ce personnage à custom, mais j'ai quand même fait quelque chose. Et puis le masque sur le masque, c'est un peu bizarre. Je vérifie juste un truc, s'il y avait deux Toby ou pas. Non, il y en avait un. Bon, bref, en tout cas, t'avais demandé masque orange, on est d'accord, on est d'accord. Donc merci à toi, Warrior, pour le petit perso. Suivant, Bastien, Pontchâteau. Alors, moi, je te propose Mei Terumi, Terumi. Mei. Elle est ici. Mei Terumi. J'espère. Ah ouais, non. Si c'est une fille, il y a vraiment. J'ai. Enfin. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Tous ces trucs là de filles. Bah, oh, c'est dégueulasse ça par contre. Hein. On dirait un. Un samouraï. Tu vois, vous voyez les samouraïs là. Les chauves, mais ils ont des cheveux. T'as jamais compris. Mais ils sont chauves. Mais ils ont une espèce de couette. Tu vois. On dirait trop un truc de samouraï. Bon. Quelle couleur? Ah bah le bleu, le rapprochement avec ses vêtements. Bah je sais custom, je sais que, oh ça c'est dégueulasse. Non franchement vous abusez avec vos cheveux et tout. Je vais pas lui mettre encore un katana, ça c'est vraiment abusé. Ça c'est vraiment abusé, bon. Attendez. Un petit rouleau? Non je vais lui mettre ça, c'est des merdes aussi hein. Ça c'est plus mon problème, mais je pense qu'avec les cheveux dans le combat, ben ça, enfin ça bouge quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu le coup avec je sais plus quel perso. Pendant le combat en fait ça bouge et du coup on fait plus trop attention, à l'objet qui passe à travers, donc c'est pas trop grave. Alors pour ce qui est des hanches, bah je sais pas trop quoi lui mettre. Hein. Ah je vais peut-être lui mettre le truc de fille. Ah non on peut pas. Voyez les petits éventails la rose. Bon oh, bah alors je vais rien mettre sur. Son épaule, enfin sur ses hanches, je vais peut-être mettre quelque chose sur son épaule. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Non. Ah ouais, mais c'est d'office la même chose. Bon, alors, attendez. Attendez. Est-ce que. Ça donne un petit truc, non? Un petit peu de rose. Ok, c'est bon, j'improvise. Mais je fais de mon mieux. Alors, voyons voir les TS. Enfin, les cinématiques des TS. Ah ouais ça c'était contre notre ami Sasuke. Pas mal, c'est méchant mais pas mal. J'aime bien celui-là, j'aime bien. Donc voilà, je l'ai custom un petit peu rapide mais pas mal. Hein. Le petit rapprochement bleu, un petit rouleau de Naruto, je sais plus comment on appelle ça. Des Naruto non? Ouais, en vrai je sais pas. Des Naruto, des Uzu, je sais plus quoi. Des Maki peut-être, je sais plus. Un truc comme ça. Bon, sauvegarder. Merci à toi, Bastien, de m'avoir proposé. Alors,
Donc là, Faresh X m'a proposé Masque Orange, c'est déjà fait. Gunofox 27, j'aime Orochimaru. Bref, tu pourrais faire un perso, j'aime bien, c'est Toby Rinnegan. Toby Rinnegan, c'est lequel? Parce que des Toby, on en a une flopée. Ça doit être lui alors. Pour moi, en tout cas, c'est lui. Après. Non, là, il l'aurait appelé Obito. Ah bon, bah, Toby Rinnegan. Hop. On a déjà fait Toby, hein. Bon, c'est pas le même. On va vite fait le faire pour notre ami Gunofox. Gunofox, alors, qu'est-ce que tu me dis? Donc, Toby, ouais, tout ça. Enfin, non, tu nous dis rien de très. Enfin, tu me demandes juste d'utiliser. Bon, encore une fois, le masque sur le masque, c'est magnifique. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Oui, oui, bien sûr qu'on va mettre sur l'éventail. Mais oui, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Bon, ils sont pas très intéressants en custom, hein, ceux qui ont déjà des objets dans le dos, tout ça, tout ça. Je vais lui mettre quoi? Je vais lui mettre ceci, je trouve que ça lui va bien. Mais après, vous voulez que je lui mette quoi? Sur l'épaule, un parchemin, non, un masque. Oh, attendez. Ah bah ouais, je vais mettre celui-là. Et sur ses hanches que je ne peux pas, sur son dos. Non, vous voyez, ça c'est un petit peu bizarre, tu vois. Donc je vais peut-être pas lui mettre, je vais peut-être lui mettre l'épée. Je voulais faire le rapprochement avec Kakashi, mais non. Bon, bah c'est pas grave. Je vais lui mettre cette épée. Non, j'ai déjà mis... On va lui mettre ça, non je rigole, c'est vraiment cochon, ça c'est vraiment abusé de chez cochon, de chez abusé. On va lui mettre un masque, bah non forcément il a déjà un masque. Wesh mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais pas lui mettre deux objets, non je trouve que c'est assez, un petit objet. Il est custom un petit peu à la va-vite, mais pff, avec son masque, tout ça, on peut pas forcément faire ce que l'on veut. Oh j'aime bien cette image, je vais regarder. Franchement, celle-là j'aime beaucoup, hein. Je vais regarder le reste. Ouais bon blablabla. Non j'aime pas trop celui-là. Je vais mettre celui-là. Franchement celui-là j'aimais beaucoup. Je ne suis personne et je ne veux être personne. Franchement j'aime bien. Donc bon bah le custom un peu rapide. Mais ça va, j'ai trouvé, il avait une poupée à lui. Donc ça c'est cool. Et puis le petit insigne en bas, bon rapprochement en fait avec son masque. Et les mêmes petits signes qu'il y a dans les trous de son masque. Donc ça va, ça donne bien je trouve. Donc ça passe. Donc merci à toi de m'avoir proposé ce perso, Gunofox. Bon allez, j'en fais encore deux et puis je m'en vais. Je ferai peut-être un autre épisode histoire d'avoir essayé, enfin du moins j'aurais essayé de prendre tout le monde. Alors le personnage le mieux que je te comme personnalisé, je te propose forcément Utakata. Alors Utakata, où est-ce qu'il est? Utakata, 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 Utakata. Il est là, il est là. Je vais le prendre en, voilà, en mode contrôlé par Ah bah je l'avais déjà custom. Bah je vous le montre. Je l'avais déjà custom. Ah bah c'est tant mieux. Je sais, j'ai pas fait beaucoup de trucs. Bah il est déjà custom. Et moi je trouve que c'est pas mal. Je vais regarder s'il y avait des trucs intéressants pour lui. Faut pas me laisser custom, hein, je vous ai déjà dit, hein. Ça va partir en moulinet. Non. Et là tu peux mettre en fait, je pense. Non, tu peux la mettre que sur l'épaule gauche. Bref. Non, non, je l'avais déjà custom. Donc voilà, en tout cas, il est déjà custom, je te le montre, comme ça tu l'as vu. Donc Aguagrit 21, comme ça c'est fait. Alors donc il y en a toujours deux à custom. Ça ferait plaisir si tu custom Zabuza. Jérôme Bonardo. Bah je vais le custom alors. Allez Zabuza, où est-ce que tu te caches? Où est-ce qu'il se cache Zabuza? Zabuza, Zabuza. On va le prendre en vivant. Zabuza Momoshi. Alors, Zabuza, masque oblige. Un masque oblige. Par contre, quel masque? J'aime trop celui-là. Je vais lui mettre celui-là. Non, pardon, je mal disais. Celui-là, voilà. Suivant. Il a déjà un sacré katana. Hein. Vous voulez que je fasse quoi sur son dos? Un sac à dos? Sarakado, deux katanas. Non. Bah non, il est déjà... C'est bon, il a armé, lui, tu vois. Lui, il a armé. Il a armé, le Zabuza. Je vais lui mettre quoi? Non.
Je vais les mettre ça. Non, pas c'était quoi déjà? Voilà, ça. Hop. On verrait un tout petit truc dans son dos. Et sur l'épaule, ouais, oh, forcément, il est. Vu qu'avec sa grosse épée là, en fait, on peut pas trop lui mettre ce qu'on veut. J'aimerais bien lui mettre un petit sac à dos, quand même. Il me semble qu'avec Yaku, lorsqu'il partait, je pense qu'il avait un sac à dos. Mais alors, ça, j'hésite. Ou alors, non, je vais lui mettre ceci. Un petit peu comme Haku. Comme ça. Ah non, si je les prends, de toute façon, je pourrais même pas les custom. Enfin, prendre le deuxième perso en custom. Mais bon, la TS, celle qui m'inspire le mieux, c'est celle-ci. Maintenant, voyons voir. Ouais, j'aime pas trop son visage en fait, il est bizarre. Celle-là, par contre, j'adore. Pas mal, j'aime bien la petite phrase. Celle-là aussi, hein. Bon, allez, je prends au hasard. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bah voilà, c'est celle qui m'inspirait le mieux. Bon, voilà, je l'ai custom le masque et j'aime beaucoup. J'étais obligé de mettre un masque hein, pour Zabuza. Et après, le petit rapprochement avec Haku. Après, le truc dans le dos, de toute façon, on le verra pas trop. Mais à cause de l'épée, de toute façon, ça dérange un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, on a fait quelque chose. Donc j'espère quand même que tu l'as kiffé. Hein, Jérôme, voilà, j'ai le custom Zabuza, comme tu l'as demandé. Donc merci à toi de m'avoir proposé Zabuza. Alors, le suivant est le dernier. Donc salut à toi, merci de laisser. Je te propose Sugetsu. Alors, Sugetsu, notre ami. Sugetsu. Sugetsu. Alors, Sugetsu, un masque. Attendez, on va regarder d'abord. Voilà. Alors, lui, ah ouais, encore une fois, un mec qui a une épée. Alors, il y a des gens qui ont une épée, c'est un peu compliqué parce que. Parce que. Tout simplement, quand on met quelque chose sur le dos, ben, c'est un peu gâché. C'est un petit peu gâché, mais lui, il va se prendre une radio, je le sens. Je le sens, franchement, je le sens bien, il va se prendre une radio. Ok, t'as gagné. Tu t'es pris une radio, voilà. Alors sur l'épaule on va lui mettre un. Ah ça lui va bien ça hein. C'est pas de lui je sais mais ça lui va bien. Bah je vais lui mettre ça, je trouve que ça lui va bien. Et alors, donc l'épaule droite non. Bah dans le dos il a déjà une épée. Donc autant lui mettre un masque qui lui va bien, parce que faut pas déconner quand même. Je trouve que celui-là lui va plutôt bien. En fait il s'incruste bien dans les cheveux, tu vois. Ouais, celui-là je trouve qu'il s'incruste bien dans les cheveux. Et après il est bizarre, hein, on va pas se mentir, il est bizarre, mais il s'incruste bien. Alors l'image qui m'inspire le mieux, celle-là quand même, c'est quand il était parti chercher l'épée de Zabuza. Ouais, bof. Ouais, bon. Celle-là je préfère. La phrase un peu plus provocante, tu vois. Donc ça j'aime bien. Ouais, le un peu rapide, mais je trouve que voilà, je trouve que ça passe encore. Je trouve que ça passe encore. Par contre, les customs, je les touche pas parce qu'ils sont déjà. Allez, alors à leur image, je sais pas comment expliquer. Bon, allez, j'en fais vraiment un dernier. Moi, comme perso DC, je te propose Conan. Conan, je l'avais déjà fait. Drams, 75, 75, je l'avais déjà fait. Toby, pour perso DLC, Toby est très fort, déjà fait. Tristan Petron, pourquoi pas Asuma, déjà fait. Monsieur Hugo, 1002, pardon. Je te propose Kabuto avec la cape rouge. Kabuto avec la cape. Ah ouais, je sais c'est quel Kabuto. Bah voilà, ça c'est vrai que c'est un perso sacrément DLC. alors le Kabuto ici. En tout cas, ça doit être celui-là. Alors le masque, c'est vrai que ça peut lui aller. Ça peut même très bien lui aller. Mais après, j'aime bien son côté. Vous voyez. Avec les yeux d'Orochimaru, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, lui, dans le dos, on a quartier libre. Hein. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre une armoire. Tu peux mettre une maison aussi, si tu veux. Tu peux vraiment tout mettre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Non, ça, faut pas déconner. Il est très. Non. J'aimerais bien lui mettre un sac à dos, même si c'est pas trop le délire. Quoique, un parchemin. Non, non. Lui, on va lui mettre un rouleau. Un rouleau de parchemin. Sur l'épaule, il n'y a rien à lui. Non, oh, dommage. Et là non plus. Dommage. Franchement, dommage parce que ça aurait pu bien donner. Alors, est-ce qu'on lui met un masque sur l'épaule? Non. Là, on va lui mettre quoi? Attention, ça va partir en radio hein, si tu te fais le difficile, Kabuto. Ça va partir en radio. Ça va partir en. Non, je rigole. On va lui mettre un masque. Oh, non. Oh, ce masque lui va vraiment bien.
C'est encore celui-là, hein. Ce masque il va à tout le monde, je crois. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là j'aime bien, il est un petit peu assorti au, à la cape. Ce masque ça fait trop bizarre. Je sais pas trop si je lui mets un masque, je trouve qu'il est bien sans masque. On va lui mettre quoi? On va lui mettre une petite gourde. On va lui mettre une petite gourde. Et alors ici, on va mettre sur l'épaule. Bon, vu qu'on peut pas lui mettre de masque, on va lui mettre un masque sur l'épaule. Celui-là, je trouve qu'il lui allait bien. Alors, voyons voir les TS. Celui-là, vous voyez, je peux pas changer. Il a les serpents, enfin des serpents blancs en guise de permute. Et je trouve que ça lui va super bien. Alors, voyons. Wow, celle-là, elle est vraiment belle. Ah, on parle tout le temps de maître Orochimaru. Le maître, le master, le master. Le, ton corps est. Moi, quand je le lis, tu vois, ça fait pas le même effet que quand il le dit. Tu vois. Ouais, moi je préfère celle-là en guise d'image. Et puis, on parle du master. Donc voilà. Bon, je peux pas partir sur un custom aussi dégueulasse. Donc, j'en refais encore un dernier. J'espère trouver une fille. Suivant, Jimmy Gaming, je t'en supplie, custom Gaara. C'est déjà fait. Enfin, là il m'a pas proposé Gaara petit. Bon ben on va faire Gaara grand. Et puis on s'en va. Et puis on s'en va, Gaara grand. On va prendre celui-là, ouais. Hop. Hop, attendez, parce que je sais que je peux. Ah ouais, donc ça déjà on va lui mettre le chapeau du Kaze Kage. Je vais lui mettre la queue, tu voyez. Ça fait bizarre, mais bon. Après, elle tombe. Ah non, elle tombe pas si bas, finalement. Mais bon, on va faire comme on peut. Sur l'épaule, on va lui mettre. Ah bah, en fait, on a fait le même que le petit. Sauf que là, il a le. Donc, bah, comme ça, au moins, c'est vite fait. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, la TS. Hop. Avec Naruto. Ah ouais, je me rappelle de ce moment. C'est quand Mamichio lui a fait une technique de son clan et tout. Celle-là, j'aime bien. Celle-là aussi, elle est pas mal, hein. Ça, j'aime beaucoup. Bon, là, il est chelou, on va quand même regarder. Ouais, bof, bof. Celle-là ou celle-là? Je vais mettre, quand même. Je vais protéger mes amis et le monde entier. Non, celle-là, je préfère, c'était lors de la guerre ninja. Franchement, elle est pas mal. Bon. J'en ai terminé. Et j'ai oublié mon Chukuchino. Une petite gorgée pour terminer. Bon, j'espère franchement vous avez kiffé cette vidéo custom 4.0. Je pense qu'il y aura un 5.0 parce que je suis loin d'avoir fini, d'avoir lu tous les commentaires. Donc j'ai terminé avec toi. Merci hein, Jimmy Gaming, de m'avoir proposé Gaara. Ça fait plaisir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bon, il y aura le 5.0, je pense, sûr et certain. Là, il y a une demi-heure de custom. Il y aura le 5.0. Alors, inutile de proposer encore des persos DLC. Je vais continuer dans cette liste, histoire que je rate personne, de tous ceux qui ont mis un commentaire en tout cas. Et puis voilà, c'est tout. Et comme ça, je me lancerai à faire les persos DLC. Donc moi, il me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je sais pas comment vous regardez la vidéo, donc c'est tout. Gardez le kiwi, c'était wesh, et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Je sais même pas ce record parce que je suis en période d'examen. Donc là, je les poste, c'est des trucs qui sont déjà faits depuis longtemps. Donc voilà, c'est tout. Donc je vous dis ciao, bye, c'était wesh. Peace, gardez le kiwi, gardez le kiwi. Allez, ciao, peace, yo.